Maria, c'est tes heures de pause. Bonjour, madame Réchier. Elle te prend pour une conne. Tout le monde fait ce qu'il veut de toi. T'es trop gentille, comme ton mari. Trop bon, trop con. Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quinta do Namu, exploitante de vins de Porto. On est riches! On est riches! Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Bah, ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent qu'il leur arrive. Je vais avoir ma maison au Portugal. La souriez? Ma propre sœur qui me dit rien à moi. À moi? Maria va partir au Portugal. Si José devait partir, j'aurais été le premier à le savoir, voyons. Mais il faut pas en parler. Eh ben alors, ne parle pas. Alors je me disais, mon ami José, il doit avoir envie d'autre chose. Oui. On peut accrocher une remorque derrière? Faut voir. Je t'augmente. Nous sommes tous bien d'accord. Il faut absolument les garder dans l'immeuble. Papa, maman. Alors voilà, je suis amoureux. Et elle s'appelle Paula. Paula Ribeiro. C'est une excellente nouvelle. Paula, elle veut pas d'un Portos. C'est Charles Caillou. On va faire un dîner. Je suis à la merde. Tous ensemble autour d'un gazpacho. Ça va bien se passer. Ouais, je suis en train de me demander si les Portugais aiment le gazpacho. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, tous les deux, tout seuls, dans cette grande maison? Non, je partirai pas, moi, tu sais. Bonne nuit. Bonne nuit, Maria. Bonne nuit. Oui. Buenas noches. Ah, buenas noches. Cette dictature du général Alcazar, ça doit être terrible. Terrible. Salazar. Alcazar, c'est dans Tintin. Oh, je les confonds toujours les deux. Toujours. On pensait que ce soir, on mangerait de la morue.